Mathieu Gonçalves. Ma première en Ligue 1, je m'en souviens, et c'était contre le PSG. La date, non, je m'en souviens pas du tout. Non. La veille, oui, on m'avait appris que j'allais jouer pour me préparer psychologiquement et tout ça. J'ai joué défenseur central gauche dans une défense à 5. C'était impressionnant, je l'avais déjà vu j'avais déjà vu ce stade de l'extérieur en allant voir les matchs du PSG. Et là, d'y être en bas, sur la pelouse, l'ambiance, c'est incroyable. Non, je ne mets pas de pression puisque je me dis que la pression, ça peut être négatif, donc non. Les adversaires, on m'en avait parlé avant le match, sur le débriefing, donc oui, je savais très bien qu'on allait jouer contre Mbappé, Di Maria et Cavani, les trois attaquants qu'on allait gérer en défense. Ouais. Jouer contre ces joueurs, c'est impressionnant puisqu'on les regarde à la télé, on les voit faire des choses énormes contre des grandes équipes et donc quand on tombe face à eux, c'est quelque chose de très impressionnant. J'ai reçu pas mal des messages encourageants, des messages négatifs, mais ça faut les regarder parce que c'est bien de voir ce que les gens pensent quand même, mais pas non plus y prendre trop d'importance puisque c'est pas les réseaux et ça qui vont nous faire grandir. Les messages que j'ai gardés, c'est ceux de ma famille. De me dire qu'ils étaient derrière moi, que quoi qu'il arrive, c'est toujours derrière moi. Et je pense que c'est le plus important puisque c'est la famille qui nous soutient en premier avant tout. Avec le recul, je garde que c'était quand même une première incroyable et très enrichissante puisque c'était quand même contre le PSG, donc des grands joueurs. Et on peut qu'apprendre dans ces matchs-là, malgré qu'il y ait eu deux, trois petites erreurs de ma part. C'est quelque chose, je me dis que ça arrive même aux plus grands et qu'il ne faut pas se prendre la tête sur ça. Que y penser et dire qu'il faut travailler à l'entraînement pour éviter ces erreurs, mais qu'on apprend en faisant des erreurs, donc pas baisser les bras et se remettre direct dans le droit chemin pour vite apprendre et vite jouer. Mon premier but, j'espère bientôt, après pendant un match que je vais jouer, et puis on verra, on va tout faire pour marquer. 19 octobre. Ok. 19 octobre, c'est bon, on la garde celle-là.